L'orange à la berle reconnaît son thème, il est drogué. Certains diraient malade. C'est une recommandation d'usage de faire régulièrement du sport. Mais pas forcément comme moi. Qui pratique de façon excessive, avait-il ainsi confié dans les colonnes de West France en octobre dernier. Ça ne me dérange pas d'être qualifié de bigorexique MLDR, maladie qui correspond à l'addiction au sport. J'aime le sport, j'en ai besoin et lorsque je n'en fais pas, ça me manque. J'ai une addiction au sport, mais je ne me considère pas malade. La pratique du sport doit rester salutaire. Quand tu tombes dans l'excès, ça devient dangereux. Le sport n'est d'ailleurs pas redevenu un simple loisir pour l'ancien vainqueur de la Vuelta. Pour preuve, son nouveau titre de champion du monde d'Iroman décroché à Nice le mois dernier dans sa catégorie d'âge. Et le Mazamétain s'est trouvé un nouveau défi hors norme, participer au prochain Bikini Manix, une course de plusieurs jours en autonomie. À cet effet, l'ancien coureur de la Hanse s'est livré à une traversée des Pyrénées de part et d'autre. L'Orange à la berre a ainsi parcouru 837 km en 4 jours, près de 39 heures de roulage, avec 27 cols au programme, soit 19 510 mètres de dénivelé positif. Une bonne répétition avant ce qu'il attend lors du Bikini Manix où 1000 km et 20 000 mètres de dénivelé positif seront au programme. Mais cette fois, les nuits seront sans doute plus courtes.